Dénouement dramatique ici au lac La Carrière à Vaudreuil-Dorion, alors que les plongeurs de la Sûreté du Québec ce matin n'auront mis qu'une petite heure pour repêcher un corps. La Sûreté qui nous confirme qu'il s'agit du corps d'un jeune. Maintenant, il y a une identification formelle qui va être faite, mais vraiment tout porte à croire qu'il s'agit de ce jeune homme de 19 ans qui hier, autour de 19 heures, a sombré dans les eaux ici alors qu'il était avec un groupe de 15-20 jeunes. Trois d'entre eux ont décidé de se baigner, des jeunes 18-19 ans et le jeune donc de 19 ans qui à un certain moment aurait connu des difficultés. Est-ce qu'il a eu un malaise? Est-ce qu'il savait nager? On ne le sait pas pour le moment, mais il partait donc du cap que vous voyez où il y a la chaise et voulait venir jusqu'ici de l'autre côté de la rive. Malheureusement, il ne s'est pas rendu. Les jeunes qui ont tenté de lui porter secours, qui ont aussi été transportés pour un choc nerveux. Maintenant, ici, c'est un endroit où les jeunes... voyez ici, il y a un feu de camp. Il y a également... on voyait des bouteilles de bière. Les jeunes viennent se baigner, viennent faire la fête. Et ça préoccupe les voisins qui ont peur nécessairement pour ces jeunes-là, surtout le soir lorsqu'ils ne voient pas clair. Certains ont déjà porté plainte à la police, nous dit-on. Il faut comprendre que dans les 40-50 dernières années, on me dit, là, les voisins me parlent de 4 noyades qui seraient survenues ici. Tout de suite, je vous invite à entendre de ces voisins. Je vois souvent des jeunes de peut-être 10 ans, gens dans le quartier qui viennent ici, même les soirs pendant la nuit. À 10h, 11h, le soir, je vois des petits-enfants qui viennent, ils mettent le vélo ici à côté de ma clôture, puis ils vont baigner dans les lacs. Moi, j'avais tout le temps inquiète que peut-être un jour, il y en a un qui va se faire violer ou kidnapper. Il y en a qui voulaient faire clôturer ça pour qu'il y ait moins, pour qu'il y ait, ça soit plus difficile d'accès. Mais ça fait plusieurs années là, qu'il y en a, il y a noyé de temps en temps. Là, mais c'est des parties à toutes les fins scolaires, comme au mois de juin, là, fin juin. Là, il y a des bons parties qui se passent là. Une ancienne carrière transformée en lac artificiel au fil des années, un endroit où les jeunes veulent faire la fête, mais la fête qui a tourné au drame pour ce jeune homme de 19 ans. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Vaudreuil-Dorion.